beaux gosses et belles gosses. Salut. Et salut aussi à tous les beaux gosses un petit peu débiles de ce type-là, ça fait plaisir. Et ça mange pas de pain. Enfin, lui en tout cas, il mange pas de pain. Il a tendance à vite embaumer le camion, sinon c'est une infection. Donc le camion, le gros Hulk, c'est un vieux Mercedes 609D de 1988. Enfin, je dis qu'il est vieux, mais il est plus jeune que moi quand même. C'est une ancienne ambulance de l'armée allemande. Il a deux ou trois petites particularités qui, pour moi, en fait la différence. Notamment, c'est une mécanique poids lourd, donc il n'y a pas de courroie de transmission. C'est une transmission à pignon, donc direct. Avant de casser ça, normalement, faut y aller. Je touche du bois, mais faut y aller. Et c'est aussi une propulsion avec roues jumelées à l'arrière, donc c'est pas un 4x4, je ferai pas de la piste avec, mais normalement il y a un peu moins de chances de rester embourbé. Évidemment, un camion de cet âge-là, il n'y a pas d'électronique dedans, c'est que de la mécanique, et ça, des fois ça fait plaisir, des fois ça fait pas plaisir. Il est 100% autonome, avec tout le confort d'une petite maison, mais je te laisse découvrir ça de l'intérieur. Bienvenue dans le Hulk. Donc déjà dès l'entrée, le petit vide-poche trop pratique. Et puis ce petit décroché là que je trouve trop bien. Je peux accrocher la laisse et le collier de Falco. Là j'ai une lampe, la frontale, la brosse de Falco. Et surtout je peux mettre deux vestes ici. Et ça, c'est trop bien. Juste après, on a la cloison de séparation. Je voulais une cloison pour deux raisons. La première, c'est que une fois à l'intérieur, je voulais vraiment que ça fasse intérieur et qu'on ne voit pas les sièges ni le volant. La deuxième raison, évidemment, c'est pour l'isolation. Et j'ai quand même une bonne couche d'Armaflex à l'intérieur, donc ça fait quand même très bien le taf. J'ai quand même fait des petites fenêtres pour avoir pas mal de lumière qui rentre. Ça c'est du plexiglas, donc niveau isolation, c'est plutôt pas mal. Et les cadres de fenêtres, bon ça c'est des chutes de chêne que j'avais utilisées pour le plan de travail. Et en haut, j'ai des petits rideaux confectionnés par Super Doudou, une pote à moi, qui sont trop bien. En fait, c'est des petites poches qu'elle m'a fait dans lesquelles je peux venir glisser de l'isolant. Et je me suis aussi laissé l'opportunité de pouvoir passer à l'avant, comme ça, c'est pratique. Au-dessus de la cloison, j'ai la capucine. Elle est hyper grande et hyper profonde, donc c'est trop pratique. Là, j'y mets mes serviettes, j'ai des affaires à Falco au fond, j'ai des affaires divers, j'ai mes trépieds photo vidéo, mon réchaud. Et tu vois, si je veux me faire plaisir, bah je prends mon pied. Au-dessus de l'entrée, j'ai mon routeur qui est relié à une antenne 4G sur le toit. Ça marche vraiment bien quand je capte pas avec mon téléphone. Et tu vois, je l'ai branché sur un petit interrupteur ici. On passe au canapé. C'est vraiment le sweet spot de ce gros Hulk. Je vais te montrer pourquoi. Parce que là, tu t'installes. Et t'es bien. Et ce canapé, donc encore une fois, c'est Super Doudou qui a fait les housses. Il peut se transformer en petit lit d'appoint pour une troisième personne. Donc on peut y manger à deux, très confortablement, voire à trois en décalant ce petit module. Et dans ce petit module, mon ami, c'est mes toilettes. Donc voilà, c'est des toilettes sèches avec le bac à litière classique et le pot à popo. Bon, je dirais pas plus loin pour des raisons de propriété intellectuelle. Et tu vois, j'ai encore pas mal de rangements sous le canapé, donc ça me permet de mettre des petits trucs pour le camion. Là, j'ai mon huile, du liquide de refroidissement, des câbles électriques. Ici, c'est du matelas photo, une tente de camping, des essuie-glaces, enfin voilà, tout plein de trucs, quoi. Pour ma table, c'est tout simplement une tablette en chaîne que j'ai fixée sur un pied de type lagoon, pour ceux qui connaissent. C'est hyper pratique. Alors, c'est pas une lagoon, mais ça marche vraiment très bien. Et comme tu l'as vu, il y a cette grande fenêtre Carbest que j'aime beaucoup, avec le rideau occultant. Et la moustiquaire. Et encore une fois, du chêne pour le petit cadre de fenêtre. Au-dessus du canapé, j'ai deux placards hauts qui sont quand même plutôt grands et dans lesquels je peux mettre pas mal d'affaires. Et on passe à la cuisine avec un grand plan de travail en chêne. Je sais pas si je t'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup le chêne. Avec ma chute de l'évier. C'est un évier qui est trop bien parce qu'il est vraiment assez profond. Donc pour entasser de la vaisselle, c'est plutôt bien. Et vu que je suis pas du genre à aimer ça, c'est parfait. Et on a aussi cette petite tablette. Pour agrandir le plan de travail, ça marche plutôt bien. Le mitigeur, c'est un mitigeur de maison, donc classique, l'eau froide, l'eau chaude. Le résultat de l'amour entre l'eau froide et l'eau chaude, l'eau tiède. Et puis, voilà, le double G, ça marche bien. C'est beau gosse. Et le petit pouce savon aussi, ça fait plaisir. Et alors après, c'est peut-être un détail, mais pour les fruits et les légumes, le petit filet parce qu'il est mignon. Et la faïence, c'est pour se tenir à carreau.
J'allais te présenter le frigo, mais du coup, on va attendre un petit peu et je vais plutôt te présenter les tiroirs de la cuisine. Donc, dans le premier tiroir, c'est là où je mets mes couverts, mes assiettes, mes bols, etc. Et pour les dimensions, je me suis pas trop pris la tête et franchement, coup de bol. Je m'excuse pour cette blague, je sais pas ce que j'ai, mais je suis pas dans mon assiette. Donc, pour le tiroir du dessous, c'est le tiroir où je mets ma marmite, ma planche à découper, le four Omnia qui est trop pratique. Et le dernier tiroir, c'est pas vraiment un tiroir, c'est mon bac de douche, donc c'est plutôt un tirouche. Monsieur, il va falloir bouger quand même un moment. Il y a école demain. Pour le frigo, c'est un Indelb 85, je crois. C'est un frigidaire à compression, donc qui fonctionne sur le 12 volts. C'est hyper économique et ça refroidit vraiment bien, j'ai pas à me plaindre. Ça coûte juste un petit bras, mais de toute façon, j'aime pas le chocolat. Avec la petite ouverture sécurisée, et voilà, c'est hyper grand, il y a de l'espace. Et il y a même un petit freezer, et ça, ça fait plaisir. Donc au-dessus de la cuisine, encore des rangements avec les placards hauts. Donc ici, c'est là où je mets mes affaires de toilette, celles de Falco, il y a des médicaments. Et un petit miroir sur lequel j'ai mis des aimants, comme ça je peux me raser à l'extérieur, c'est hyper pratique. L'insecticide, enfin voilà, petit parfum d'ambiance pour quand Falco, t'as compris. Et ici, c'est mon placard à épices où j'ai aussi la cafetière italienne et le café. Voilà, et on passe à la chambre à coucher. Donc ça c'est mon lit, c'est un vrai futon, donc je me suis fait plaisir un petit peu. Il repose sur des lattes, donc classique, et franchement j'adore. Il fait 1m95 au plus long, sachant que moi je fais 1m85, je dors vraiment dans toute la longueur, et il fait 1m30 de large. Et alors l'avantage d'avoir un vrai lit, c'est que ce petit énergumène là, lui aussi il a sa vraie chambre, et surtout derrière, du coup j'ai un vrai espace pour le local technique et le coffre. Sur les portes à l'arrière, j'ai mis de la feutrine, et je trouve ça plutôt pas mal, et franchement ça limite vraiment la condensation. Et pour les rideaux, je fais comment? En fait c'est hyper simple, donc j'ai un ridal pour chaque fenêtre, ils sont fixés sur la portière avec des petits boutons pression. J'ai juste à les enlever, ensuite je les relève, tac, tac, et tac. Voilà, j'ai mis des aimants ici pour qu'ils collent bien à la portière. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que dedans j'ai de l'isolant. Et quand je me réveille le matin, et ben en fait, j'enlève juste les trois boutons pression et je les fais descendre. Et voilà. Et au-dessus du lit, je voulais pas mettre des vrais placards parce que je voulais pas me cogner la tête, donc j'ai mis une petite étagère où je range mes livres, mes chargeurs, enfin bref, des petits trucs faciles d'accès depuis le lit. J'ai aussi deux petites LED, voilà, qui font office de liseuse, c'est pas mal. Et donc ici, j'ai deux placards comme les autres. Et juste à côté, j'ai mon placard à vêtements. Et tu vois, je peux quand même y mettre pas mal d'affaires et ça, ça fait plaisir. Un petit miroir, parce que pourquoi pas. Et le truc le plus mignon du camion, l'escargot, parce qu'il a la maison sur son dos. En dessous, j'ai un tiroir à bouffe, c'est là où je mets tous mes trucs de petit déjeuner, etc. Enfin bref, il est assez grand. Et alors ici, j'ai pas mis de tiroir, c'est volontaire, mais comme ça, j'ai une petite porte avec la poubelle, ça fait plaisir. Voilà, des petits rangements. Je voulais me laisser en fait l'opportunité de pouvoir le modifier par la suite, si jamais j'avais des besoins. Et typiquement, je pense que je vais me faire un petit rangement pour mon sac photo. Mais sinon, voilà, le panier de linge sale, hyper pratique, et puis bah encore plein de conneries. Pour l'aération basse, elle est dans le marchepied à l'avant, elle est vraiment surdimensionnée par rapport au volume du camion. Pour l'aération haute, donc j'ai le Lanterneau, c'est un Dometic Midi Eki, je crois, il fait 70 par 50. J'en suis hyper content et je suis étonné, il isole quand même plutôt bien. Et puis ça fait rentrer pas mal de lumière, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai deux aérateurs actifs, donc à l'avant et à l'arrière, que je contrôle avec ce petit boîtier ici. Je peux les mettre soit en mode extracteur ou soit en mode ventilation et ensuite je viens moduler la vitesse. Et là je suis obligé de faire une pause parce que le soleil est en train de se coucher et c'est une explosion d'émotions mon ami. Et pour la partie arrière de l'extérieur très vite fait, ici j'ai ma prise pour la remorque. Là j'ai installé une petite caméra de recul dont je me sers absolument jamais. Ici j'ai ma prise externe 220 volts pour pouvoir recharger les batteries sur le secteur mais je m'en sers quasiment jamais. J'imagine que ce que tu veux voir c'est l'intérieur donc je t'ouvre ça tout de suite. Et tu vois déjà ce que j'aime assez c'est que je peux bloquer les portes dans cette configuration avec des bons petits crochets. Et là, ça te fait quand même un petit espace semi-cloisonné. Donc, j'aime assez cette configuration.
Tu retrouves mes rideaux ici, donc tu vois là, avec derrière des petits casiers pour pouvoir mettre mes chaussures. De ce côté-là, j'ai un harnais un peu tactique de Falco où, en fait, quand on va en rando, c'est lui qui prend son eau, faut pas déconner. Et donc, très succinctement, de gauche à droite, ici, je me suis fait un petit caisson avec des casiers, donc il est amovible, je peux l'enlever. Ici, c'est pareil, dessous, il y a pas mal de rangements. Là, j'ai ma boîte à outils, bah, le vélo électrique, on peut pas le rater, lui. Il y a mon échelle télescopique, un caillebotis pour me doucher à l'extérieur, c'est hyper pratique. Bah, ma table, mes chaises de camping et tout ce qu'il faut pour l'eau, c'est-à-dire le tuyau et tous les raccords. Et si je veux ouvrir mes portes complètement, c'est possible. J'ai deux petits mécanismes de chaque côté du camion qui me permettent de les bloquer, donc en position vraiment ouverte. Et tu vois là, ça fait une ambiance différente. Et alors voilà ce petit casier dont je te parlais. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, c'est quand même bien pratique d'avoir des espaces bien compartimentés pour que chaque chose soit à sa place et que rien ne bouge dans le coffre. Je vais quand même te montrer tout le bordel qu'il y a dessous. J'ai des câbles électriques, du cuir, j'ai ma Dremel, du caoutchouc, du gaffer, enfin bref, tout un tas de trucs qui pourront m'être utiles à un moment ou à un autre. Mais surtout, on a accès à la partie technique du chauffage. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je le ferai probablement dans une prochaine vidéo où tu trouveras le lien en description ou j'en sais rien, enfin ici ou ici. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc, tu vois, dans la partie inférieure, j'ai deux batteries au lithium et j'ai un petit accès rapide à toute ma partie technique ici avec les coupes-circuits, les fusibles, etc. Là, j'ai un réservoir de 100 litres d'eau propre et je me suis laissé, encore une fois, une petite trappe d'accès. Et une des particularités de ce genre de camion, c'est qu'en fait, le moteur, il est juste ici. Donc, t'as juste à ouvrir les petits loctos, là, et t'as accès directement au moteur. Mais attends, je vais te montrer. Par contre, le panorama en conduisant, il est plutôt stylé. J'espère que t'as kiffé ce petit van tour. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à lâcher ton petit pouce. Déjà parce que t'en as deux, mais aussi parce que ça non plus, ça mange pas de pain. Je te laisse avec quelques images du gros Hulk dans son élément naturel. Et si tu veux rien rater de l'aventure, abonne-toi. Ciao beau gosse. Ciao belle gosse.